be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see her. Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je suis en plein match, en fait j'étais en train de regarder le match à la télé. Et comme je me suis dit, je ne veux pas avoir des problèmes avec les droits d'auteur, je me suis dit je veux voir le match tranquillement sur mon portable, tranquillement. Là je suis en train de regarder le match, je regarde le match Galatasaray et Real de Madrid. Comme vous avez vu, regardez, je mets mon pyjama c'est de Real, c'est un faux maillot du Real qui est tout gâté, regardez, il est tout gâté mon maillot du Real. Et en même temps, j'ai fait une petite commande là qui va arriver là. Et normalement, je dois me faire livrer mon McDo quoi, parce que j'ai vu la pub, ils disent qu'on est obligé de gagner quelque chose. Alors, je veux voir si c'est vrai, je veux voir. En fait, c'est dans le McDo, en fait, c'est tu commandes McDo, tu fais un menu à McDo. Et après, une fois que tu as fait ton menu, en fait, tu as des étiquettes dans la boisson à enlever pour voir si tu as gagné. Du coup, là, j'ai fait ma commande de McDo là de suite. Et puis, en attendant, je regarde le match Galatasaray-Real, puisque le Real, en ce moment, il n'est pas très, très bien. Et il paraît que, en fait, j'ai bien suivi le Real. Si le Real perd ce match, Zidane, un grand joueur international français, je précise bien, de bonne qualité, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un bon joueur de bonne qualité. Il va sauter. Quand je dis il va sauter, ça veut dire qu'ils vont remplacer l'entraîneur Zidane et ils vont le remplacer par un grand entraîneur quand même qui s'appelle José Mourinho. Mais le problème, c'est que Mourinho, en fait, c'est pas. Je suis en train de vous parler. Ouh, ils ont failli marquer, regardez, je regarde le match en direct là, c'est... Je regarde le match en direct en même temps que je vous parle, évidemment, parce que, excusez-moi, parce que c'est un gros match, parce que si le Real perd, il perd Zidane. Et en plus, c'est un des grands joueurs, Marcus Babel, qui a failli marquer un très beau but. Ils ont une grosse équipe, Galatasaray, c'est pour ça que c'est un match très important. Et moi, je veux pas que Zidane saute. Non, ça, je veux pas. Zidane, il va pas sauter. Non. Bien entendu, je kiffe trop Zidane. Il faut pas qu'il saute. Et je suis en train de vous parler. En même temps, le Real mène 1-0. Mais ils vont peut-être marquer, là. C'est un peu chaud. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si Zidane, il saute, il est remplacé par José Mourinho. Et le problème, c'est que si il saute, franchement, un grand joueur comme Zidane, un grand entraîneur, c'est un grand joueur français de l'équipe de France. S'il saute, franchement, ça va faire un tonnerre en Espagne, puisque le Real Madrid en ce moment n'est pas très bien, pas au top de son habitude. Mais c'est vraiment malheureux de les voir en Ligue des Champions comme ça, dernière de leur poule. C'est pas de leur habitude, le Real Madrid. Moi, j'ai connu le Real Madrid quand il y avait Luis Figo, tous ces joueurs, Raoul, tous ces gros joueurs-là, qu'à l'époque, ils avaient Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo. Ronaldo, mais lui, celui-là, il était très très fort, ce Ronaldo. Il dribblait tout le monde, bon, même la France, ils sont allés en finale en 98 contre lui. Il n'était pas au top, mais Ronaldo était un grand joueur. Et du coup, s'il saute, ça va faire du gros tonnerre. Mais moi, franchement, je dis la vérité, je pense pas qu'il va sauter. Et je pense que le Real va gagner le match et il sautera pas. Puisqu'il veut le faire. Moi, je comprends pas comment un grand joueur comme Zidane, Karim Benzema qui a failli marquer, un grand joueur comme Zidane saute. Non, moi, je peux pas croire ça, mais il va pas sauter. Parce que de toute façon, là, le Real gagne 1-0 contre Galatasaray, mais le match est tendu, c'est pour ça que je vous parle en même temps que je regarde le match, puisque c'est un gros match. Comme vous avez vu, j'ai changé un peu ma déco et j'ai mis les deux équipes qui sont en difficulté en ce moment. Après, je vous dis pas que j'ai que ça, mais en fait, bon, c'est vrai que j'ai que ça, mais je peux avoir d'autres décos comme ça, comme vous avez vu, regardez. C'est une déco de... C'est le signe du Real Madrid et le signe de Lyon ici, puisque bon... C'est vrai que je ne vais pas vous cacher, c'est vrai que même si je ne suis pas content de l'équipe de Lyon, je ne parle même plus de Lyon, puisque ça ne va pas trop bien. J'ai l'impression qu'ils vont aller en Ligue 2, mais bon, je pense qu'ils ne vont pas aller en Ligue 2. Mais
ça n'a pas très bien aussi en équipe de l'Olympique Lyonnais. Et ils ont changé d'entraîneur, ils ont recruté Garcia. Mais franchement, c'est Marseille qui ne va pas être content. J'attends le match Lyon-Marseille avec impatience. Peut-être même que je serai au stade. Et franchement, ça va être un gros match puisqu'on les a piqué leur entraîneur. Alors les Marseillais, là, ils vont être vénères. Là, et je pense que même là, ils sont vénères contre cet entraîneur puisque là, il les a trahis, tout ça. Enfin bref, c'est les Marseillais. Et comme vous avez vu, voilà, c'est pour ça que j'ai mis, puisque je suis en train de soutenir franchement le Real Madrid, que vous avez vu le signe derrière. Et même si je suis pas content de Lyon, j'ai pas envie de trop parler de Lyon parce que là il me déçoit vraiment, j'ai même plus envie de parler de Lyon. J'ai mis quand même le signe Lyon parce que c'est vrai que je suis né à Lyon, et donc voilà. Bon, je vais pas trop faire blabla parce que là j'attends ma commande de McDo qui va arriver, qui va pas tarder à arriver là. Hein. Puis voilà, c'est pour ça qu'en même temps je vous parle, j'attends ma petite commande. Comme je savais pas quoi manger, au lieu de manger des pâtes tout le temps, hier j'ai mangé des pâtes, avant-hier j'ai mangé des haricots avec du poisson, du coup là j'ai changé, je me suis dit bon je vais manger des pâtes, excusez-moi, je suis tellement excité parce que je regarde le match, je sais même plus ce que je dis, et je vais manger un peu de McDo pour changer, et pour cette pub là que j'ai vu, je veux voir si c'est vraiment le cas, si on gagne vraiment quelque chose, si vraiment je veux gagner quelque chose, c'est pour ça que je me suis dit bon je vais faire un petit McDo tranquille aujourd'hui. Après, c'est pas l'habitude, j'ai pas l'habitude de faire ça pour le jeu, pour les verres. Moi, je m'en fous de jouer, de manger McDo pour avoir un verre ou bien pour jouer. Mais là, je me suis dit, comme ils disent, obligé, tu gagnes. Du coup, je me suis dit, je veux changer, je veux faire ça. Un petit McDo pour voir si je veux gagner dans l'étiquette que je vais enlever, je veux gagner quelque chose. Peut-être je veux gagner un autre McDo, je sais pas. Enfin, bref. Là, j'attends la commande que j'ai commandée. Normalement, ça va pas tarder à arriver, la commande de McDo qui va arriver. Puis, voilà. En même temps, je vous parle et puis voilà. Je regarde le match là, en direct. Regardez ça en direct là. Je vais pas trop vous montrer parce que si je vous montre trop, après, il va y avoir des droits d'auteur, tout ça. Moi, j'ai pas envie de tout ça. Puisque on m'a déjà refusé, en fait on m'a déjà enlevé une vidéo, donc j'ai pas envie de m'amuser, comme Philippe, mon ami Philippe, tu es au courant, c'est lui qui m'a rappelé que YouTube m'a enlevé une vidéo, donc bon c'est bon, j'arrête de mettre des vidéos de match et tout, je fais des vidéos juste que je parle et tout, que je monte juste mon portable comme ça, ça fait pas de mal, je pense pas que YouTube va m'enlever ma vidéo parce que j'ai montré mon portable. Et puis voilà, donc là j'attends, parce que j'ai commandé, j'attends la commande quoi. Je suis impatient de manger quoi, j'ai très très faim. Puis voilà. Ah, attendez, je crois que ça arrive. Allô? Premier étage. Ok. Bon, je vais vous laisser 2 minutes parce que je vais aller chercher ma commande. Je vais pas stopper la vidéo, je vais laisser comme ça. Je vais aller dans la porte parce que le gars il va chercher ma porte, c'est où ma porte. Je vais aller chercher ma commande parce que je commence à avoir trop faim. Alors moi je parle, j'ai trop faim. Deux minutes, hein, j'arrive. Je vais pas stopper la vidéo. Le McDo, j'avais trop faim. On va manger McDo quoi. Regardez le McDo, il est dedans. Bon, c'est parti, je vous laisse regarder la dégustation. En même temps, on va parler quand même. Je vais couper un peu pour vous mettre en place le McDo là, vite fait. Faut que je déballe tout ça là, vite fait là, parce que j'ai très très faim. Là, j'ai trop faim. Là, j'ai attendu tout. Non, j'ai trop faim. Puis j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai trop faim. J'ai la dalle. Attendez de suite hein, que je déballe tout ça.
Voilà, je vais déguster maintenant. Maintenant que j'ai préparé, comme vous avez vu, j'ai préparé tranquille pour déguster ça. Toujours, il faut qu'il y ait un truc. Toujours, il y a un truc. Il y a toujours un problème. Toujours. Ça va pas. Ça va pas. Il y a toujours un problème. Ils ont oublié la paille. Mais bon, je vais pas mourir pour une paille. On s'en fout. C'est pas grave. C'est une paille. On dirait quoi? Je vais mourir pour une paille. Moi, c'est pas ça. C'est pas ce qui m'impose. C'est pas la paille. La paille ne m'impose pas. Non, c'est pas du tout. Attends. Je regardais si j'avais bien. Enfin, j'ai oublié tout. C'est pas la paille qui m'impose. Moi, c'est ça qui m'impose. Regardez. Voilà, c'est ça qui m'impose. Le vrai rageux. Le vrai rageux. Toute une vidéo. Pourquoi? Pour ce machin-là. Tout ça pour ça. Toute une vidéo pour ça. Tout cet emplacement et tout pour ça. C'est malheureux, ça. Hein. Et ils m'ont même pas mis de paille. Mais c'est pas grave. Bon, la vôtre, hein, c'est du Sprite. Hein, de toute façon, vous le connaissez. Hein. Il n'y a pas d'alcool à McDo. Hein. Enfin, je pense peut-être qu'il doit y avoir des bières encore. Je sais même pas ce qu'il y a d'alcool. Mais je pense qu'il n'y a pas d'alcool. Là, c'est du Sprite que j'ai mis. Donc voilà, je vais voir si c'est bon. Ça va, ça sent que c'est un Sprite de la machine, ça va, c'est un bon Sprite de bonne qualité, c'est bon. Il est bien froid avec les glaçons, bien sûr. Ça va, on va faire un peu durer les suspens, je ne vais pas prendre ouvert le ticket maintenant, parce que il faut un peu faire durer les suspens. Il faut d'abord savourer, je veux bien savourer, je vais faire ça, on va faire ça ensemble, tranquille, propre. Donc voilà, je vais manger tranquille. Il y a ma petite glace là, de bonne qualité qui est là. Regardez, il y a même le petit truc là que je veux quoi. Ah, je suis content quand même. Ça, c'est une glace M&M's caramel. J'aime bien prendre ça. Je prends toujours pareil. Des fois, je change un peu. J'aimais d'autres choses. Mais bon, là, je voulais mettre ça. Je M&M's caramel. Je kiffe prendre ça. Et je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis pris juste un 80 en fait. Ouais, je me suis pris un 80. Le sandwich que je me suis pris, c'est un 80. Attendez que je dise pas de conneries. Ouais, 280, excusez-moi. Ouais, c'est ça, un 280, je me suis pris. Voilà. Je me suis pris un 280. Vous allez rigoler. Hein. Bon, certains vont rigoler puisque voilà. J'ai pris un 280 et j'ai précisé sans steak. Donc voilà, il n'y a pas de steak. Comme c'est pour ça que vous le voyez, il est tout petit comme ça, il n'y a pas de steak. Ils m'ont mis juste un morceau de gruyère et deux morceaux de tomate. Et puis voilà quoi, ça me suffit. J'ai pas envie de manger de steak, c'est tout. Vous allez dire quoi? Et si t'as pas envie de manger, c'est comme moi, des fois, j'aime pas qu'on met la salade. Parce qu'il y a des salades moisies et tout. J'aime pas, comme je suis cuisinier, je sais, tu vois, que des fois, les gens, ils mettent de la salade moisie. Bon, après, c'est peut-être pas le cas de McDo. Mais ils mettent des salades, là, il y a des petits vers de terre et tout, j'aime pas trop ça et tout. Du coup, comme moi, je me suis dit, moi, je fais mon maniaque un peu, j'ai dit, pas de steak. Là, souvent, je dis pas de salade. Quand je prends même un tacos et tout, n'importe quoi, un sandwich, je dis pas de salade. Et dans le sandwich, là, je me suis dit, pas de steak. Et ils m'ont mis, effectivement, pas de steak. Ils m'ont mis juste un morceau de gruyère et deux morceaux de tomate avec... Avec le morceau de rire quoi. Le pain quoi aussi. Bon, je vais goûter alors. Très bon. C'est très 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 bon. Je me régale. Ah, c'est vrai, je me régale. Hein. Non, c'est vrai. Pas mal cette histoire. Ah bon, c'est la mi-temps. Je regardais le match en même temps, excusez-moi. Voilà, et puis je disais, mais là, j'ai fait un croque. En fait, là, le petit souci, c'est que la tomate, elle est un peu... Bon, on va dire, elle est un peu mûre, je sais pas, parce que je l'ai... Je sais pas, elle est bizarre, la tomate. Enfin, bref, c'est mangeable, c'est essentiel. Très bon. Très bon, je me régale. C'est trop bon. Ouais, je vous disais en fait, par rapport au Real
à Lyon. Bon, on va parler précisément du Real, puisque Lyon, j'en parlerai de cette affaire plus tard si tout va bien, puisque là, j'ai même pas envie de parler de Lyon, parce que pour le moment, on parle de Ligue 2. Alors, on préparait la Ligue 2 l'année prochaine déjà à Lyon, alors que la saison n'est même pas finie, il y en a qui parlent déjà de Ligue 2. On va commencer à préparer l'année prochaine et tout. Enfin, je pense qu'ils vont pas finir en Ligue 2, mais bon. Il y a un peu des humeurs, des petites humeurs. J'ai entendu des amis, des gens qui disent ah, s'ils vont en Ligue 2, machin, ils commencent déjà à préparer la Ligue 2. Mais bon, c'est pas trop le cas. Moi, je pense pas que Lyon il va aller en Ligue 2. Ils vont se remettre là avec le nouveau entraîneur de Lyon, ça va le faire. Et voilà, bon, sans parler de Lyon, le Real est une grosse équipe. C'est impossible qu'ils finissent 4e de leur poule de la Ligue des Champions. À mon avis, peut-être qu'ils peuvent finir 3e, mais moi, je pense qu'ils vont finir 2e. De leur poule, au moins deuxième et peut-être premier, mais bon, Paris, je pense qu'ils vont rester, ils aiment bien les premières places, ils vont rester premiers, ils sont en forme et tout. Mais comme on connaît bien Paris, ils vont sortir des poules, mais après, jusqu'à où ils vont aller, ils vont pas. S'ils vont jusqu'en finale, franchement, je vous dirais que j'achète le maillot de Paris, tout ça, s'ils vont en finale et tout, mais je pense pas. C'est pas que je suis à fond sur Paris tout ça, mais j'aime trop les joueurs de Paris, Mbappé et tout ça, j'aime trop. Di Maria, l'équipe, c'est un joueur du Real Madrid aussi. Et puis voilà, bon, après je parle trop là, il faudrait peut-être que je finisse mon sandwich. Non, il est bon ce sandwich, franchement il est très très bon. Ah, je me régale. En fait, je fais cette vidéo parce que par rapport à un des fans qui veut que à tout prix que je fasse cette vidéo, bah, c'est pas cette vidéo là que vous voyez. La vidéo qui va venir bientôt, je vous dis pas quand. La vidéo suivante qui va venir, je sais pas quand. Mais cette vidéo, elle sera vraiment costaud pour moi, donc c'est pour me préparer un peu psychologiquement et je prépare mon ventre et tout. Bon. Ceux qui connaissent la vidéo, qui connaissent mes vidéos, qui me connaissent bien, ils savent de quoi je parle. Donc, je vais peut-être me tirer ce jour-là, que je ferai cette vidéo, que je veux. Parce que ça serait. Bon, je ne vais pas trop vous parler de la vidéo, sinon vous allez savoir déjà. Je vous ai peut-être donné des indices. Ouais, c'est bon, hein, franchement. Ouais, je me regarde. Alors, franchement, j'ai même pas envie de finir tellement c'est bon. Bon, après, on va pas dire c'est mieux qu'un tacos, mais c'est très bon. Non, les 280, c'est très bon. Je crois que je mange trop vite. Hein. Il faut que je savoure tranquillement. Ah, je suis un peu sale là. Bon. Magnifique. Très très bon. Franchement, c'est bon. Hein. Après, j'ai ma petite glace au dessert. Nickel. Hier, j'ai mangé des pâtes. Aujourd'hui, je ne mange pas des pâtes. Je ne vais pas manger toujours pareil. Deux fois, je mange des pâtes. Deux fois, je mange une pizza. Deux fois, je mange du riz. Deux fois, je mange tunisien, du couscous. Deux fois, je mange un peu de tout. Je ne mange pas toujours pareil. J'aime pas manger toujours pareil. Je mangeais pareil un petit moment et après, je change. D'un seul coup, je vais prendre un tacos, d'un seul coup, je vais prendre... Bon, mais après, voilà, je... très bon, ça. C'est 280, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça 280. Je sais pas, je suis là qui a voulu appeler 280. Le gars qui a créé ce sandwich s'est dit, bon, ben, je vais l'appeler le 280. Je pense à ça, hein. Très bon, ça. Je vais savourer un peu tranquillement, mais pas être pressé. J'en connais quand ils mangent, ils sont hyper, hyper, hyper pressés. Je crois que tu vas être énervé contre moi, mais... Mais bon, je peux pas dire ton nom, mais... Toi, par exemple... J'ai envie de dire ton nom, mais bon, je vais pas te déclarer, mais tu manges trop vite.
travaille avec la personne avec qui regarde la vidéo pour te dire qu'il faut arrêter de manger trop vite. Il faut prendre le temps, bien savourer. Prends le temps, t'as pas de TGV à prendre, t'as rien à prendre. T'as pas de Ouigo à prendre. Donc tu es tranquille, tu manges tranquillement et tout. Il y en a un que je connais, il mange mais vite. On dirait que quoi, son manger, il va avoir la guerre et on va lui piquer son manger. Et qu'il n'aura pas le temps de finir ou peut-être il va mourir. Et son manger va rester devant lui et il serait mort. Il mange hyper vite, c'est un gars, il mange très très vite. Il se reconnaît, hein. Je parle d'une personne qui se reconnaîtra bien, très très bien. Je lui dis souvent, tu manges trop vite, mange doucement. Moi, je prends le temps de savourer. Bon, ça m'arrive quand on est pressé, quand vraiment il faut que je fasse un travail ou que j'ai quelque chose à faire, mais c'est rare. J'aime bien manger tranquille, prendre le temps, bien savourer, sentir bien le goût de ce que je mange et tout. J'en connais qui vont dire blablabla, ils parlent trop. Oui, je parle trop, oui. Parce qu'il faut souvent parler, parce que si je parle pas, si je fais une vidéo en 2 minutes, c'est bien, deux fois de personne, mais des fois, je préfère un peu savourer le temps. J'y passe le temps, là, comme vous voyez, j'y passe le temps. En plus, regardez, j'ai mon petit cadeau, je sais pas, peut-être que je vais gagner au million. Non, je rigole, c'est des conneries. Mais peut-être que je vais gagner, je sais pas, moi, une Ferrari dedans. Peut-être que je veux gagner quoi? Peut-être que je veux gagner une voiture, peut-être, regardez. Aïe, aïe. Je crois qu'il faut que j'arrête de rêver, là. Vous avez vu, il y a des voitures dans la photo. Je sais pas si vous voyez bien, regardez. Attendez, le flou va sortir. Vous voyez bien, il y a des voitures dessus. Je sais pas si je veux gagner ces voitures. Peut-être que je veux gagner une voiture. Imagine, bon, si je gagne une voiture, je casse la caméra, c'est tout. Non, si je gagne une voiture, je casse... Non, je commence pas à rentrer dans ce délire, c'est ça. Si je gagne une voiture, ben, on ira la chercher ensemble, c'est tout. Mais je sais que je vais pas gagner une voiture, c'est impossible. Je rêve trop, des fois. C'est bien de rêver, tu vois que je veux manger comme ça d'un seul coup, je veux gagner une voiture. Si là, je gagne une voiture, là, je vais être choqué. Bon allez, je vais arrêter de vous faire attendre trop. J'y vais, allez. Je veux découvrir ce ticket, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je savoure bien, c'est un Sprite de bonne qualité. Bon allez, c'est le moment de découvrir ce qu'il y a dedans. S'il y a quelque chose qui va me faire plaisir, peut-être que vous avez un petit sac. C'est pas grave. Alors, ça va être un petit truc de merde, comme d'hab. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Ça commence, le machin, il se décolle et tout. Je l'ai enlevé, il se décolle et tout. Pardon. Alors, vous avez gagné 10 euros à avoir sur... Non, c'est quoi cette merde? Sur avoir soit un site sur internet, je sais pas quoi, Redigo.com, je sais pas quoi. Aïe aïe, c'est mal. Ça c'est des trucs, c'est des mauvais trucs, ça, c'est quoi ça? Regardez, vous voyez bien, c'est quoi ça? Je vais faire quoi avec ça? Je vais aller sur internet pour essayer de gagner, récupérer mes 10 euros, reprendre quoi? Reprendre quelque chose? Non. Je vais pas prendre ça. Mais. Euros, je sais pas quoi, là. Je vais pas prendre ça, moi. Bah alors là, ça veut dire une chose, ça. C'est que ça veut dire que c'est que ben, j'ai rien gagné pour moi. Pour moi, déjà, ça c'est mort. Déjà, c'est sûr et certain que ce machin là il est mort. Oh là là, en fait, ça a rien changé. Hein. J'ai pris un 280, bon, juste parce que j'avais envie de manger, mais franchement, ça a rien changé. Alors, le deuxième ticket, c'est Monopoly Communé. Attends, Communé des Vies. Aïe, 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 aïe.
Encore un truc de... Un truc qui me sert à rien. Ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent à regarder encore. Vous avez gagné, je sais pas quoi. En fait, ils disent dans la pub, ils disent tous des trucs comme ça. C'est pour qu'on aille jouer, en fait. Une fois qu'on va jouer, et ben voilà, on se fait avoir. Bon, ben... Je me cache pas que... Je suis pas très très content, parce que là... Là, ça me déçoit, hein. L'enjeu Monopoly, je sais pas quoi, l'enjeu McDo, ça marche pas, en fait. C'est pour que les gens, ils vont acheter McDo. Tu vas rien gagner. C'est rare que tu vas gagner. Alors, là, je parle, mais... J'ai encore un ticket, hein. Peut-être deux tickets à enlever, là, déjà, encore. Peut-être j'ai encore une chance de gagner une voiture, peut-être, hein. Je vais gagner une belle voiture, peut-être encore. Je sais pas. Moi, ce que j'aimerais envie de gagner, c'est franchement, entre nous, hein. Si j'aimerais gagner quelque chose, c'est une méchante villa avec la piscine et tout. C'est ce que j'ai envie de gagner, moi. Une villa, un grand appart avec la piscine et tout. Ça, j'aimerais bien gagner ça. Ah, tu me fais gagner ça, je suis content. Mais bon, gagner une voiture, c'est pas le truc qui me motive. Mais si je gagne une voiture, c'est évidemment que je vais la prendre. Bon, ben, je vais arrêter de parler trop. Maintenant que j'ai fait un peu durer le suspense, on va regarder la glace. On va voir ce qu'il y a dedans maintenant. Je pense que je vais être déçu, hein. Normal, je vais être déçu. Je pense que je vais gagner un petit truc. Je pourrais aller pleurer. En tout cas, j'aurais bien mangé, en tout cas. Pas mal. On va dire, ça vaut pas un bon couscous, un truc comme ça, ou un chop, ou un chip, ou je sais pas. Ou un bon repas camerounais, non, ça vaut pas ça. Ou un bon repas... Peu importe, asiatique. Ou japonais, peut-être. Donc c'est vrai que j'ai plus fait de repas japonais, il faudrait que j'en refasse un repas japonais. Que j'aille remanger au Japon, puisque franchement j'aime bien manger les repas de Chine ou de Japon, etc. quoi. Voilà. Maintenant, j'arrête de parler maintenant. Il y en a, ils vont me dire, toi tu parles trop. Oui, je parle trop. C'est pour vous embêter. Si je parle pas, que j'enchaîne direct, la personne elle va regarder la vidéo, elle va dire, voilà, c'est réglé. Non, on va un peu faire ça. Mais je sais que de toute façon, il y en a plein qui avancent les vidéos. Vous avancez les vidéos, alors c'est pour ça que, comme vous avez avancé la vidéo, alors je vous fais un peu tourner. Comme ça, ceux qui avancent la vidéo, ben, ils vont voir que... Il y a le suspense, ils sont obligés d'attendre. Bon, ben, je me reverse et je vais voir si, éventuellement, j'ai gagné quelque chose. Quelque chose de plus sûr. Quelque chose de sûr, pas Monopoly, je sais pas quoi, là. Vous allez sur Internet pour chercher ce que vous avez gagné. Non, 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 ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Bon, allez, je m'affole un peu, parce que on arrive à la fin de la vidéo. Ah, tiens, celui-là, il a l'air bien. J'espère qu'il a l'air bien, attends. Je pense que vous l'avez vu, vous le voyez. Moi, j'ai pas vu encore. Allez, il explique quelque chose. Non, c'est le même que tout à l'heure, en fait. C'est le même que tout à l'heure. Monopoly, je sais pas quoi. Communé des vignettes, je sais pas quoi. Oh là là, mais c'est bon. En fait, j'ai rien gagné, je me suis fait avoir. Je suis juste allé acheter McDo, c'est tout. Ah, tiens, c'est quoi ça? Brandali ou 10. Non, j'ai encore rien gagné encore. C'est des trucs, mais je sais pas c'est quoi, mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux qu'ils me disent vous avez gagné un sac, vous avez gagné un truc et tout ça, un truc mieux, pas je veux regarder comme ça.
Enfin. Ça m'intéresse pas ces trucs. C'est pas... Ça m'intéresse pas. Bon bah, peut-être que je veux rejouer. Si un jour je gagne quelque chose, bah, je ferai une vidéo, je dirai j'ai gagné quelque chose, j'ai gagné telle chose. Bon ben, je vais vous laisser, je vais finir avec ma glace de bonne qualité, bien sûr. Regardez. Une bonne glace de un McFlurry M&M's Caramel. Voilà. Ah, c'est en train de fondre, ça va fondre. De très bonne qualité, quand même. Bon, je vais vous laisser, je vais finir ma glace dans la solitude, dans la dépression, parce que voilà. Bon, ce qui va me motiver, c'est que le Real a gagné son match. Parce que là, il gagne 1-0, donc je pense que le match va être fini, le Real va gagner. Bon, je regarde pas Paris, parce que c'est comme... Ils resteront premiers, ça c'est un match d'entraînement, on va dire. Presque un match d'entraînement pour eux, ça c'est pas un match. C'est pas un match qui m'intéresse. Moi, je veux voir quand Paris vont jouer contre la Juventus, ou contre le Bayern, des trucs comme ça. Je veux pas voir un match comme ça, là. C'est une équipe qui est forte, oui, Bruges, FC Bruges, oui. Bruges, c'est une bonne équipe, mais bon. Ça vaut pas... un Paris contre Juventus ou Paris Manchester, tout comme ça, ou Paris contre le Real. Encore le Real, ils sont malades en ce moment, le Real. Ils sont très malades, mais bon, ils sont en train de commencer à aller mieux. Bon, ben le match, on est à la 60 minutes de jeu et les Parisiens gagnent 1-0. Oui, c'est ça, 1-0 pour les Parisiens et 1-0 toujours pour le Real Madrid. Je pense que les deux équipes vont bien. Donc Paris va rester première de leur poule, leur Ligue des Champions. Et le Real va revenir à peut-être la troisième place ou deuxième place, je pense, de la Ligue des Champions. Et il vient d'avoir un but, là, à l'heure que je vous parle. Le PSG vient de marquer un but, à l'instant même, le 2-0. Je ne vais pas allumer ma télé d'ailleurs, parce qu'après je vais avoir des droits d'auteur. Moi, je ne veux pas avoir des droits d'auteur, je ne veux pas de ces trucs-là. Donc voilà, je préfère faire ma vidéo, vous parler un peu comme ça, c'est beaucoup plus mieux. Donc voilà, le Real gagne toujours 1-0. Je pense qu'ils vont gagner le match, le Real Madrid, c'est sûr et certain. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et avant de finir la vidéo, puisque avant de finir la vidéo, il faut pas que je tiens à préciser que je n'ai pas oublié les gens qui disent que fais-moi une dédicace et tout, fais-moi une dédicace tout. J'ai fait une dédicace à Yette, elle se reconnaît à Yette, je te fais une dédicace parce que voilà, comme ça tu es content. J'ai fait une dédicace à ton mari aussi, David, et je fais une dédicace à Ryan. T'inquiète pas, j'ai pas oublié ta vidéo, c'est bientôt la vidéo, on est bientôt aujourd'hui, tu verras bien la vidéo. N'oublie pas de mettre un like, je veux un max de likes sur cette vidéo, au moins... Mets 15 likes le plus vite possible, ou même tout de suite, ou même quand vous avez vu la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si c'est possible. Si vous ne mettez pas de commentaire ou mettez un like, je suis content. Ça me suffit. Un bon petit like, je suis content. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et qui j'ai oublié encore de dédicacer? Ryan, on avait dit Ryan. Le petit youtubeur d'ailleurs qui est sympa comme tout, Ryan, que je dois accepter sur Snap, je pense, c'est ça. Et une dédicace aussi, attendez que je regarde, parce que bon, il faut aussi que... Ah tiens, Paris gagne 3-0, bon, je regarde même pas ce match-là. Mon portable m'informe que Paris gagne 3-0, ils resteront premiers, ils sont tout contents, les Parisiens. Voilà, le Real toujours 1-0 pour le Real, la Juventus perd. Ah ouais, Ronaldo, il perd face à Moscou. Ah ouais, carrément. Ah ouais, Tottenham, ah ouais. Ah ouais, carrément. C'est chaud cette histoire. Manchester City perd contre... Il perd contre... Non. Ah non, qu'est-ce que je dis? J'ai une connerie, non. Non, je disais une connerie. Manchester City, il gagne 4 à 1. Donc, c'est bon. J'aurais pu faire un côté match en fait, j'aurais pu faire un côté match. Vraiment, c'est malheureux ça. Bon, ben voilà, je voulais dire, je sais même plus ce que je voulais dire en fait. J'étais en train de dire que... oui, la dédicace pour Ryan,
que j'ai pas encore accepté sur, sur mon Instagram. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram et surtout, le plus là où je suis actif, même trop actif, c'est pas Instagram. Hein. Instagram, je mets des photos, etc., tout ça, deux fois et tout. C'est plus sur, sur Snap en fait. Vous venez dans mon Snap, je bombarde, je rigole, je mets de tout. Deux fois, je mets des vidéos qui datent un peu. Deux fois, je mets du l'ancien. Deux fois, c'est. Ben après, vous le voyez dans le Snap. Hein, si vous voyez en haut que c'est marqué date de deux jours, etc. Bon, puisque c'est des vidéos qui m'ont plu, des Snaps qui m'ont plu, donc je les remets. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, venez, ajoutez-moi sur Snap. N'hésitez pas à venir me parler. Je réponds. Je réponds pour le moment parce que bah, des fois quand je travaille, c'est normal que je réponds pas. Mais n'hésitez pas m'ajouter sur Snap, c'est David Roger sur Snap. Et à venir me parler, hein. Je suis disponible sur ça, on va dire 24 heures sur 24. Bon, quand je réponds pas, c'est parce que je travaille. Il faut attendre un peu ou bien la fin de la matinée. Et puis bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, ma dégustation de bonne qualité, enfin. De petite qualité, on va dire, parce que c'est McDo. McDo, et en plus, j'ai rien gagné dans ce McDo. Bon, c'est des petits trucs, mais c'est pas ce que je voulais gagner. Moi, je voulais gagner plus un truc. Bon, bon. Peut-être qu'une autre fois, je gagnerai un truc plus mieux que ce que j'ai gagné. Bon, ben, salut et prenez bien soin de vous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo rapide. Je vous dis pas c'est quoi la prochaine vidéo, mais on se retrouve sur la prochaine vidéo bientôt. Je fais que de vous dire que je pars, mais je pars pas. Je sais pas, j'ai pas envie de partir. Je sais pas. En fait, j'ai pas oublié des dédicaces, moi, parce que moi, je parle. Attends, Ryan. Une dédicace à Ryan. Et une dédicace... Il y a qui encore que j'ai pas oublié? Une dédicace à Tafou. Une dédicace à Jérôme Mas. Une dédicace à Sylvain. Une dédicace à Philippe Garcia. Une dédicace à comment ça s'appelle, à Jeanne, je pense que c'est Jeanne. Une dédicace, merci Jeanne d'avoir abonné à ma chaîne. Une dédicace à, je pense, Claudine. Une dédicace à une dédicace à Léa quand même, Léa nouvelle abonnée aussi. Une dédicace à Sylvain Lolidas. Une dédicace à je fais toutes les dédicaces comme ça, au moins ceux qui reconnaissent leur nom ils seraient contents. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit, les noms, de mettre un pouce à cette vidéo, parce que vous et moi sinon on va plus s'entendre si vous commencez à pas mettre pouce. Au moins un pouce, au moins c'est tout ce que je veux. Une dédicace à... J'ai oublié des gens, quoi. J'ai toujours l'impression, mais de toute façon, quand je finis ma vidéo, je me dis toujours, j'ai oublié quelque chose. C'est toujours ça. Et après, il faut que je note. Une dédicace à... Charles Boulanger. Oui, à Charles, quand même, une dédicace à Charles. Je sais qu'il regarde mes vidéos. Et une grosse dédicace à toi, mon ami Boulanger. Une dédicace à Maudit aussi, puisque vraiment, c'est la soirée des dédicaces. Et une dédicace à... Aruna, de Duvar, hein, bien sûr, le frère de Simoji. Et le rageux, hein, je l'appelle le rageux, Aruna le rageux, dit Murphy. Une dédicace à. Après, je sais pas. Une dédicace à Diary, Si. Toute la famille Si, en fait. Abby, qui est encore qui, j'ai oublié ce nom. Moussa. Enfin bref, une dédicace à tout le monde, hein, toute la famille ici, tous mes amis, tous ceux qui me reconnaissera à la vidéo. Et puis voilà, bon après là c'est bon, c'est bien la fin de la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo, je veux dire 50 000 fois, liker ma vidéo. Je vais au moins mes 10 likes rapidement, le plus vite possible. Au moins mes 10 likes et mes 15 likes le plus vite possible aussi pour enfin faire la vidéo suivante. Bon, salut les amis. Je vais maintenant arrêter
de parler trop et puis voilà, je vais y aller puisque là je regarde la fin de match et je finis ma glace tranquillement de bonne qualité. Salut, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve rapidement pour la prochaine vidéo qui va arriver dans très rapidement. Une belle vidéo, hein, franchement. Enfin, c'est une vidéo de dégustation, donc je pense que vous allez aimer. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut les amis. Tchuss. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go. They're the bonne qualité. Hmm.